ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Une personne qui travaille dans les fourneaux ou bien dans un travail très compliqué, très difficile, qu'est-ce qu'il devra faire? Ou bien elle travaille la nuit, comme ça il peut manger, il peut... Ou bien elle prend ses vacances pendant le mois de Ramadan, ou bien elle cherche un autre travail. Car il faut qu'il cherche un travail dans lequel il peut faire ses obligations religieuses. Et les gens vont me dire, ouais mais on est dans les pays des koufars, on peut pas, comment on va faire? C'est ça l'impôt que tu payes parce que tu restes dans le pays de koufars. Déjà à la base tu n'as rien à faire ici. Si tu restes ici, en plus, tu veux plus de facilités. Déjà, la religion, elle te demande de partir d'ici. Si tu n'es pas capable de préserver ta religion ici et de transmettre la religion et de travailler pour l'islam. Donc si en plus de ça, il faut qu'on t'aménage des choses spéciales parce que tu fais quelque chose qui est à la base pas accepté. Voilà pourquoi justement l'islam demande de vivre au milieu des musulmans et d'aller vers les musulmans pour que ces choses-là soient... bien comprise et facile à faire. Quelqu'un qui vit dans un pays musulman, qui travaille dans un travail difficile, normalement, les patrons ou les gens doivent aménager des heures pour le Ramadan, ou bien travailler la nuit, ou bien donner les vacances pour le Ramadan. Normalement, c'est comme ça. Naam.